Nous avons apprécié votre thèse. Vous avez une bonne problématique. Nous avons une vraie question de recherche, de vrais objectifs de recherche, une méthodologie appropriée. Vous avez des résultats pertinents. Globalement, vous maîtrisez la démarche d'une recherche en sciences de gestion. Et nous vous félicitons pour cela. Et donc, nous pensons que, et à l'unanimité, vous êtes digne d'être appelé docteur en sciences de gestion avec la mention très honorable. Iris Aïmassé-Arlan devient docteur en sciences de gestion et à l'ère du temps apporte des solutions pratiques pour alléger l'administration béninoise et répondre aux défis impérieux de développement. Il a soutenu sa thèse sur le thème New Public Management et création de valeur dans l'administration publique béninoise, un thème qui lui a valu, après sa présentation, la mention très honorable à l'unanimité du jury. Nous avons choisi ce thème parce que aujourd'hui, l'administration publique doit se comporter comme le secteur privé. Nous devons rechercher la performance. Et la recherche de cette performance s'observe à travers l'efficacité, l'efficience et l'économie. Et pour avoir cette performance, nous devons utiliser les pratiques du privé, c'est-à-dire les outils, les modes de gestion et d'organisation du secteur privé. Il ressort des résultats des travaux de recherche du nouveau docteur des éléments clés issus des pratiques performantes du privé pour l'obtention d'une meilleure efficacité dans l'administration publique. Ainsi, ces pistes permettront aux fonctionnaires de l'administration publique d'optimiser leur rendement si elles sont prises en compte dans le cadre des réformes opérées selon l'impétrant. Naturellement, l'objectif est atteint parce que nous avons eu à démontrer que les pratiques du privé en interaction avec les facteurs de contexte influencent positivement la création de valeur dans l'administration publique béninoise. Nous voudrions que les décideurs publics se basent sur ces indicateurs, c'est-à-dire les meilleures pratiques du privé, afin d'avoir la performance souhaitée pour que l'administration publique puisse jouer véritablement ses rôles régaliens. Naturellement, nous ne pouvons pas nous arrêter sur le doctorat. Nous allons passer au grade de maître assistant, nous allons poursuivre les recherches. C'est pourquoi nous avons proposé à l'issue de cette recherche des pistes de recherche. Nous allons continuer et passer également le concours d'agrégation. Donc nous voudrions évoluer dans ce sens. Une thèse et des solutions certaines avec la volonté de tous pour donner un coup de fouet au fonctionnement dans les administrations publiques. Docteur Iris Aïmassé-Arlan ressort que la valeur ajoutée de ce qu'il propose se ressentira davantage si le mécanisme de sa mise en œuvre transcende les facteurs internes et ou les résistances à divers niveaux pour des valeurs publiques fortes et durables au sein de l'administration publique.